tout le monde, Soximoz, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, si je ne suis pas dans mon décor d'unboxing habituel, c'est parce qu'on va ouvrir ça et ça. Donc il y a un gros colis qui nous attend. Comme d'habitude les amis, pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like, c'est super important pour le développement de la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. Voilà, encore René qui m'a envoyé des produits, des 3 nouveaux claviers qui sont juste excellents. Merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir et je perds pas de temps. Il y a un concours Twitter dans la description pour gagner 2 de ces 3 claviers. Donc des claviers mécaniques qu'on va justement découvrir en vidéo. Donc regardez dans la description, voilà, il y a le lien du tweet du concours. Donc allez voir, allez retweeter si vous voulez gagner les claviers. Justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent sur Twitter, donc ça peut être l'occasion de gagner de très bons produits. Allez, c'est parti, on va sortir le couteau. Hop là, voilà, il y a l'éclairage qui tombe, c'est n'importe quoi. Ce setup, je l'ai tellement fait à l'arrache. Alors déjà, je sais pas pourquoi j'ai reçu ce produit à part. Mais ce que j'ai envie de voir d'abord, c'est cette énorme coulée. Alors je vais le déplacer comme ça, voilà. Et on va faire une grosse entaille dedans, voilà, on va pas se faire chier. Là, on fait à l'arrache, on s'en fout. Voilà, ici, les petites encoches. Tac, voilà, c'est bon. Ici, c'est mal coupé, on s'en tape. Voilà, c'est bon. Alors, j'espère qu'ils m'ont pas envoyé 4 claviers, c'est con. Alors là, il y en a 2. Ok, non, c'est bon. Y en a... What? J'ai 4 claviers, les gars. Il y a vraiment une erreur, en fait. What the fuck? Les gars, j'ai... 1, 2, 3... Pourquoi j'ai 4 claviers, déjà? Mais what the fuck, les amis? Attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, j'ai 4 claviers, genre... Alors, il faut savoir un truc, c'est que... Cet énorme colis, je l'ai reçu, ça fait une semaine qu'il traîne dans ma chambre. Celui-là, je l'ai reçu tout à l'heure. Je me suis dit, déjà, il y a une couille. Je me suis dit, soit il y a deux claviers et celui-là, il est à part, ils ont mis un peu plus de temps à l'envoyer. Ou soit il y en a 4. Bah, finalement, il y en a vraiment 4. Bon, bah, écoutez, unboxing de 4 claviers, je change de plan. C'est la première fois que je fais un unboxing de 4 claviers. Hein. Je sais pas ce qui... Excusez-moi, mon micro est tombé. Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Unboxing de 4 claviers, c'est une première, je pense, dans le YouTube game. Bon bah c'est parti hein. Donc il y a le... Alors il y a le RGB Mechanical Keyboard. Donc celui-là fait pas de lumière je crois. Celui-là Mechanical Keyboard. Ok. Oh il y en a trop, attendez, ils sont tous différents quoi. Non, ceux-là. Alors ceux-là ça a l'air d'être les mêmes. Non Mechanical, ceux-là ça a l'air d'être les mêmes. Et ceux-là c'est deux différents. Bon, on s'en tape, on va tous les ouvrir. Alors c'est parti. Oh là là, en plus je suis connu pour ça, hein. J'ai 15 claviers chez WAM, à chaque fois ok il m'en envoie plein. Alors premier clavier, c'est le RGB Mechanical Keyboard. Alors celui-là, oh purée il est long, il est très fin, what the fuck. Alors attendez, on va voir ça, garantie toujours de 24 mois, j'en sais rien, c'est toujours des garanties astronomiques chez eux. On va voir ça, user manual nanana, ça c'est l'user manual et ça c'est la carte de garantie. 24 mois, voilà, tout va bien. C'est totalement normal chez OK. Et donc, un beau clavier mécanique comme ça. Ok, d'accord. C'est pas mal. Purée, il est genre en métal brossé, on dirait, là. C'est vrai, en plus, je crois. Ouais, il est en métal. Ici, ça doit être de l'alu, je pense. Ouais, super. Il y a des switches bleus. Je sais pas si on le verra. Donc, voilà, blue switch. Comme ça. C'est les switches qui font le plus de bruit. Donc, voilà, quoi, ça fait masse de bruit. C'est plutôt cool. Ok, c'est pas mal. Premier clavier, on va l'allumer. On va les allumer après, je pense. Hein. Mais franchement, c'est pas mal. Il y a le petit truc pour enlever les touches. En gros, vous mettez ça comme ça, vous le coincez et vous enlevez la touche. Mais ça peut être aussi pratique de l'enlever avec les doigts. Hein. C'est pas compliqué à enlever. C'est pas comme les claviers. C'est pas comme les claviers à membrane. Voilà, donc toujours pro les claviers de chez OK, ils ont toujours été propres et pour un prix très abordable. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous mettre 2 codes de réduction qui vont s'afficher à l'écran. Sur 2 des 4 claviers, il y a une réduction, je crois, il y a 7 euros sur un des claviers et 9 euros de réduction sur un autre des claviers. Donc 9 euros sur un clavier qui est déjà pas cher, franchement. Ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Alors premier clavier, on va le mettre là, on va les tester après parce qu'il y en a tellement. Je sais pas par où commencer en vrai, hein. Je vous jure j'en ai 4. J'ai 4 claviers, c'est une erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tac, bon je vais pas dire non hein, 4 claviers. Je pense que je vais vous les donner en convention, j'en ai tellement les gars, je sais plus quoi en faire. Alors premier clavier, ah mais si celui-là a l'air d'être... Celui-là a l'air d'être rétro éclairé, je sais pas. Ouais c'est oui, c'est RGB, je suis un peu con. Je suis un peu débile, donc on va le mettre sur le côté. On va ouvrir le second clavier maintenant. Second clavier qui m'a l'air assez fat celui-là.
Il y a un pavé numérique, il y a tout. Et ils sont... Alors celui-là est en QWERTY, hein. J'ai pas dit, mais celui-là est en QWERTY. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en AZERTY, on va les voir justement parce que c'est ceux-là qui nous intéressent le plus, hein. Hop, alors, on va ouvrir celui-là. Oh, celui-là a l'air d'être vraiment pas mal par contre. Il est RGB ou pas? Il est LED... ok, d'accord. Qu'est-ce qui change des... Oh ouais, il a l'air trop stylé. Oh, celui-là, il est beaucoup trop beau par contre. Ah ouais. C'est les nouveaux claviers celui-là ou quoi? C'est le nouveau clavier? Je sais pas. Je sais pas. Purée, il est beau. Il est super beau. Il est très lourd. Il est... alors, c'est du plastique, mais putain, ce qui est... Attendez. Ouais, putain, il est lourd. Hein. Je pense qu'il est un peu plus lourd que l'autre. Switch bleu comme d'habitude. Switch bleu ou pas, ça? Attendez, hop. Ouais, j'ai fait tomber la touche, super. Ouais, switch bleu, hein, vous le voyez. Switch bleu. Je vais remettre la touche. Voilà, proprement. Oh, celui-là a l'air... est très propre, hein. J'aime beaucoup. C'est très sobre. Les touches sont assez carrées et tout, j'aime beaucoup, je kiffe. On va l'allumer après celui-là aussi, on va tous les allumer d'ailleurs. N'hésitez pas franchement à participer au concours parce que là, franchement, vous avez des bons trucs à gagner. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une carte, ok, 24 mois, toujours la notice, ok. Bon, bah, super clavier en tout cas. Déjà, voilà, à première vue, c'est un super clavier. On va le mettre sur le côté, voilà. Je pense qu'on va bien les mettre sur le côté, là. Sans qu'il tombe, hein, de préférence. Voilà, je vais le décaler ici. Allez, maintenant, on passe à celui-là. Et ça a l'air d'être les deux mêmes. Alors, je sais pas... alors, attendez. On va les ouvrir vite fait pour voir si c'est les deux mêmes. Il y a celui-là qui est là. Voilà. Et celui-là, ici. Hop là, hop, nickel. Alors, est-ce que ce sont les mêmes? Oh, celui-là est pas mal. Alors celui-là, c'est celui qui n'est pas rétro-éclairé justement. Il y a 7€ de réduction sur celui-là. Il y a 7€ de réduction, vraiment pas mal. Alors je vais, ouais ouais. Ah, je kiffe, franchement celui-là je kiffe aussi, hein. Pas rétro-éclairé, switch bleu par contre aussi. Ouais, switch bleu, waouh. Alors, moi, je suis vraiment pas du tout un grand fan de pavé numérique. Vous savez, pavé numérique, c'est avec les touches et tout. À côté, les chiffres, je supporte pas ça. J'utilise toujours ces touches-là. Et perso, j'ai toujours kiffé les claviers qui sont un peu petits, tu vois, sans le pavé numérique. C'est la première fois que j'en ai un. Et franchement, ça fait grave plaisir de l'avoir. Alors, pourquoi un petit bout de plastique qui dépasse, là? Hop. Voilà. Franchement, ça fait grave plaisir d'en avoir un. Alors ça, c'est pour les gens plutôt qui sont plutôt pro et qui aiment bien que ça soit sobre. Il n'y a pas de lumière et tout. Il est assez lourd. C'est toujours la qualité. Plastique, mais ouais, il y a beaucoup de composants à l'intérieur. Franchement, pas mal. Garantie 24 mois toujours. Eh oui, 24 mois. Allez, ça fait plaisir. Hein. C'est la maison qui offre. Voilà, donc super. Et on va voir si le dernier clavier, c'est le même en fait. S'ils m'ont pas filé un bout, c'est pas celui-là. Ça se trouve, ils m'en ont envoyé un différent. Je ne sais pas. Non, c'est le même. D'accord. Ok, ok. Alors, voilà, donc on en a trois, c'est ces trois-là du coup. Hein. Je pense que celui-là a été envoyé par erreur. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Je pense que je vous les donnerai en convention quand je partirai. Je vais essayer, je vais à la PGW, les amis. Si, je vais essayer d'en transporter un, ou deux, ou trois, ou je sais pas, si je peux tous les transporter dans mon sac. Comme ça, les premiers abonnés qui viendront me voir, bah, ils auront les claviers. Parce que, franchement, je sais pas comment faire. J'en ai déjà ouvert plein de chez OK, j'en ai donné à mes potes, j'en ai donné à ma soeur, j'en ai donné à plein de gens. Donc voilà, bon écoutez, 4 claviers, c'est insane les amis. Allez, on va les tester, surtout les deux RGB là, j'ai trop envie de les avoir, donc j'ai trop envie de les voir, donc ça sera super cool. What the fuck, oh là là les amis, oh là là, il est trop beau. Vous allez le voir, alors là on voit pas trop parce qu'il y a encore pas mal de lumière, mais voilà, là il est blanc. Donc blanc, alors pour les claviers OK c'est FN plus ces verts là, alors la couleur je crois que c'est FN plus F11, non, F12, FNRS, ouais c'est ça. Alors là, c'est pour éteindre, allumer, ok. On a forcément un truc pour changer les couleurs, je ne sais pas. RGB, FN, M1. Ah, voilà. Alors là, on a des trucs. On a, waouh, on a les modes. Mode clavier, ok, comme ça. Par contre, on aura plein de modes, hein, les couleurs limite infinies. Le fade, là, quand t'appuies, voilà, ça fait multicolore, ça fait comme ça. Il y a limite des combinaisons infinies, rouge. Là, on a du multicolore. Pouah, il est trop bien ce clavier, je kiffe. Alors si sur l'autre clavier que je kiffe encore plus il y a ça, franchement je serais vraiment refait. Là il y a... Oh, quand t'appuies... Ok, d'accord. Là, quand t'appuies ça fait comme une petite explosion. Là c'est fade. Wow, oh purée c'est beau. J'ai toujours aimé les claviers qui font de la couleur comme ça. Et là on revient sur du classique. Là on a quoi? Là on a rien d'autre. Là c'est juste couleur classique. Rouge, vert, bleu, rouge, nanana. On a du fade aussi je pense. Bon ok, c'est pas mal. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs, hein. Par exemple, si vous faites ça, je crois que vous pouvez changer la couleur avec ça, un truc comme ça. Vous pouvez baisser,
vous pouvez augmenter, il y a plein de trucs à faire, franchement je vous dis c'est limite infini. Regardez par exemple si vous prenez ça, bah là vous pouvez faire soit les animations fixes ou plus vite, vous pouvez mettre plus lentement sinon. Voilà, là c'est rapide, là c'est lentement, là c'est très lent et là c'est limite à l'arrêt quoi. Donc voilà, il y a plein de combinaisons infinies. Donc si vous êtes un gros kikou et vous aimez les lumières comme moi, c'est largement cool. Alors du coup c'est un clavier QWERTY, mais les deux autres sont des claviers AZERTY. Donc on va voir les deux autres. Celui-là, bah il y a pas grand chose à voir, juste il est pas rétro éclairé, il y a pas de pavé tactile et tout, très sobre et tout. Donc celui-là on va le laisser de côté pour l'instant, mais il est quand même très bien. Et maintenant on va passer au dernier clavier. Hop là, voilà, petite anime qui va bien. Oh, c'est propre, c'est propre. Je vais faire tomber la caméra, je suis un teubé. Alors, waouh, oh, c'est beau. Oh là là, celui-là est beau. Ah ouais, d'accord, je vois. Alors en fait, il y aura tout le temps les mêmes couleurs ici. Genre là, il y aura tout le temps du vert, tout le temps du rouge, tout le temps du rose, tout le temps du rouge, tout le temps du violet, tout le temps du bleu. Il y aura toujours ça. C'est en mode arc-en-ciel. J'ai déjà vu ça parce que j'ai déjà ouvert un clavier comme ça. Mais vraiment trop stylé aussi. Alors, FN. FN plus là. Non, ça a changé du coup. C'est où ? Non, c'est toujours là ou quoi ? Oui, ok. Donc là, quand tu appuies, voilà, tu fais ton délire comme ça. Là, ça fait genre en mode respiration. Touche de jeu, classique, ZQSD. Là, on a des espèces de trucs qui se croisent. Alors toujours, je crois qu'on a la possibilité de ralentir ou de... voilà, là, on ralentit, par exemple. Et là, on accélère les actions. Ça va très vite, là. Alors, on a toujours la possibilité de faire ça. C'est cool. C'est avec les flèches directionnelles plus FN. Alors, là, on a quoi d'autre ? Voilà. Bon, là, ça va très vite. Hein. Et on peut augmenter... ouais, on peut augmenter, on peut baisser. Ah oui, là, c'est éteint, carrément. Ok, d'accord. Hop. Petit truc de chargement, un peu, on dirait. Un truc qui tourne. Oh, ouais, ça c'est stylé, ça. Oh. Il fait... Oh, il... Par contre, ça en fait de la lumière. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, ça. Je kiffe. Ok. Hop. Insert. Et on a toujours la même chose. Bon, bah, écoutez, je suis grave content. Dommage que, du coup, ça soit toujours la même couleur ici. Par exemple, cette ligne-là sera toujours du vert, cette ligne-là sera toujours du rouge, etc. Personnellement, ce que j'aurais kiffé, c'est que ils mettent ça en RGB. Tout en RGB, tu vois. Tu peux mettre ce que tu veux. En tout cas, sur celui-là, il y a 9€ de réduction. C'est un truc de ouf, hein. 9€ de réduction. Et sur celui-là, il y a 7€ de réduction. Alors, celui-là, on va pas le tester parce que, du coup, il n'y a pas de rétroéclairage et tout. C'est un clavier, voilà, très sobre, comme j'ai expliqué juste avant. Il n'y a rien à redire dessus, mais franchement, je pense que voilà, ça vaut carrément le coup. En plus, 7€ de réduction, il vaut pas cher. Vous verrez les liens des produits en description si vous voulez les prix. Et en plus de ça, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il résiste aux projections d'eau. Alors ça, machallah, ce que c'est bien. Et vous savez quoi ? Est-ce qu'on peut se faire plaisir ? Allez, hop. Alors, faut pas me dire ça. Faut pas me dire ça, les amis. Il faut que je teste. Il faut que je teste pour vous. Il faut que je vous montre que ce clavier est étanche ou pas. Enfin, si ce clavier est étanche ou pas. Enfin, résistant aux projections d'eau. Attention. J'ai envie de voir. En tout cas, on n'est plus à un clavier prêt. Donc, j'ai envie de dire, bah voilà, on va voir si ça marche. Dites vos prédictions en commentaire. J'ai bien envie de savoir s'il va claquer ou pas. Voilà, faites des prédictions en commentaire, des pronostics. J'ai envie de savoir. Allez, c'est parti. Alors là, on va pas le projeter d'eau, là, on va noyer les potes. On m'appelle le plongeur dans le milieu. Allez, c'est... Oh là ! Oh, ah, ça me fait du mal, en vrai. Ah, ça me fait du mal. Ah, oh, je suis en train de le noyer, le clavier, là. Résistant aux projections d'eau. Allez. Je vide ma bouteille d'un litre, là. Oh, putain, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Voilà, les amis, ça coule, je suis dans la merde. Ça coule de partout. Attendez, ma chambre, elle va être trempée. Comment je vais faire ? Comment je vais faire, les gars ? Il faut que je mette mon pied pour faire cale, tu vois, comme ça. What the fuck, l'eau coule dans tous les sens. Mais what the fuck. Alors attendez, faut que je regarde si le clavier fonctionne. What? What the fuck? Oh, c'est le bordel, ma chambre elle est inondée. Elle est inondée, elle est inondée. Oh là là, la pire connerie. Oh là là, le pro player, le pro player. Même mon t-shirt il est trempé. Bon, vous savez quoi, hop, on va éponger avec mon t-shirt Nike. On s'en bat les steaks. Merci Nike en tout cas d'éponger mon eau. What the fuck les amis, mais c'est quoi cette vidéo, jamais j'aurais pensé faire ça. Alors, on va éponger ça un peu. Oh là, je suis en train de faire nimp. What, il s'est éteint? Non. What the fuck les amis, il s'est éteint. Je crois que c'est pas normal ça. What the fuck, ça coule. Ah oui, c'est bon, il marche en fait. Bon bah, il s'était arrêté le truc, mais en tout cas, il fonctionne. Regardez. Mais là, oh là là. Ah si, c'est bon, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Oh là là les gars, c'est n'importe quoi, ça a recoulé par terre.
c'est trempé, c'est... Oh là là. Bon, en tout cas, il résiste à l'eau. Il résiste à l'eau, celui-là. Bon, voilà, c'est dit. Je pense que l'autre, ça doit être la même chose. On va pas tester sur les deux claviers. Bon, et il reste quand même pas mal d'eau, hein. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, par contre, vous pouvez pas dire qu'il est pas étanche, hein, parce que... là, c'est n'importe quoi, là. Allez, hop. Ah, j'ai pas fait ici, d'ailleurs. Je vais le faire ici. Voilà. Voilà, hop. Voilà, et hop, on vide tout, ici, ici, voilà. Bon, bah, il n'y a plus d'eau, j'ai vidé 1 litre d'eau. C'est génial, oh là là, ça goûte et tout. C'est n'importe quoi. Il y en a sur les touches. What the fuck, comment ça coule, ça coule, ça coule. Oh là là, ma chambre, elle est inondée, les gars. Oh, c'est la pire idée que j'ai eue, je pense. Mon t-shirt, il absorbe même plus. Attendez, je vais utiliser un côté sec. Voilà. Yes, yes, yes. La technique de crevard. Le clavier fonctionne toujours, hein. Là j'arrive à faire des espaces sur la page Amazon du truc et tout. Enfin voilà, c'est, je descends au niveau de la page, il y a les commentaires clients, c'est super. Ils disent tous 5 étoiles, c'est étanche et tout. Et, les gars, est-ce que je rédige? Allez voir les amis dans les trucs Amazon. Je vais rédiger, un truc comme ça et je vais mettre la photo du clavier trempé. Il faut absolument que je le fasse, ça. Il faut absolument que je le fasse. Hop. Hop. Oh non, 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 ça recoule, mais je suis con. Bon bah voilà les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'ai du travail encore, je dois tout nettoyer, ça va être la merde. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a le concours pour gagner ce clavier là et ce clavier là. Voilà, c'est ce clavier là. Il y a aussi, bien sûr, les codes de réduction de moins 9€ pour celui-là et moins 7€ pour celui-là. Et bien sûr, voilà, concours, tout ça. Il y a les liens des produits. Allez voir, je vais rédiger des trucs et tout. Et même si vous voulez en acheter, ça serait super. Et n'hésitez pas à mouiller vos claviers quand vous les recevez. Vous prenez une photo, vous m'envoyez sur Twitter, ok? N'hésitez pas, bien sûr, aussi à commenter la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est le plus important. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour depuis presque 500 jours. Et on se dit à demain. C'était Oximose pour servir. Allez, ciao, ciao.